Comment ouvrir les serrures dans Hogwarts Legacy? Alors pour ouvrir les serrures, il vous faudra le sort Alomora, que vous allez débloquer après avoir fait la quête principale, l'épreuve de Percival Rackham. Ensuite vous aurez la mission La plainte lunaire du concierge. Quand vous réaliserez cette mission, vous débloquerez le sort Alomora. Donc je vais vous expliquer comment ouvrir les serrures. Donc quand vous êtes dans une serrure, vous allez devoir utiliser votre analogue de gauche et votre analogue de droite pour tourner les verrous. Alors regardez, moi ce que je vous conseille c'est de faire un tour complet jusqu'à temps que les rouages en bas à droite y bougent. Dès qu'ils bougent, ça veut dire que vous allez devoir placer votre analogue vraiment à un bon endroit pour qu'une petite lumière verte vous indique que vous êtes bien placé. Ensuite vous bougez votre analogue de gauche, vous faites pareil, vous faites un tour et dès que vous voyez que les rouages de l'intérieur du cadenas bougent, voilà comme ceci, bah vous savez que c'est près de cet emplacement et vous maintenez les deux analogues pendant quelques secondes pour que ça s'ouvre. Ensuite, pour ouvrir les serrures de niveau 2 et 3, vous allez devoir récupérer toutes les lunes de demi-guise. Je vais vous faire un guide complet avec tous les emplacements que je mettrai en description et en commentaire épinglé dès que je l'aurai terminé et que je l'aurai publié.